Salut tout le monde, c'est Kerbendo et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Fantasy Life qui est le tout premier épisode en multijoueur. Donc aujourd'hui je suis avec Romain, salut Romain. Salut. Et Camille, salut Camille. Bonjour. Donc dans le jeu, bah voilà, à gauche c'est Romain et à droite c'est Camille. Donc on va tout simplement continuer quelques... Enfin on va faire un peu d'XP et donc par la même occasion on va faire les quêtes de Romain. D'ailleurs c'est quoi ton pseudo sur le jeu? J'ai pas eu le temps de le lire. Ah, Akise. Akise, ouais, Akise. Voilà. D'accord. Ça, c'est le manga, ouais. Ok. Donc là on est sur une île que j'ai jamais explorée en plus en solo. C'est l'île du cactus qui est juste à côté de Halle Magique. Et donc là on doit buter quel ennemi déjà? J'ai la belle, ok, d'accord, bah faut qu'on la trouve. C'est sur l'île cactus, mais je ne sais pas trop où c'est, mais bon. On va bien trouver, de toute façon elle est pas très grande. Alors, donc Romain, il est en mage, et Camille, elle est en paladin, voilà, je cherchais le mot. Et moi je me suis mis en chasseur, comme ça on est bien complémentaires. Bon, normalement c'est des ennemis qui sont un peu trop haut level pour moi, mais en fait Camille elle a énormément augmenté, enfin même si elle en est moins loin que moi dans le scénario, et bah au niveau de sa carrière elle est déjà maître, donc c'est pour ça en plus héros. Que t'as une armure héros, donc c'est pour ça que t'as une armure en plus super classe, qui te donne apparemment à la fin, voilà. Moi c'est le roi Eric qui te donne. Ok. Donc il doit faire la même chose pour toutes les quêtes, j'imagine. Ouais, parce que je suis passé héros dans plusieurs carrières. Mmh. Et couturier, mineur et tout, il donne une armure à chaque fois qu'on passe héros. D'accord. Et elle doit avoir de sacrés stats en plus. Ouais, quand même. Mais il donne pas d'armes. Non. L'arme, t'es obligé de la faire. Ok. Bon, par contre, là, je vois pas l'ennemi en question. Mmh. J'ai la belle, mais ça fait penser à un truc en gélatine, mais ouais. Je vois pas où est-ce que... D'habitude, c'est dans les grottes. Ah, il y a une grotte. Bah oui, il y a une grotte, là. Mais s'ils ont pas précisé que c'était la grotte, c'est peut-être pas dedans. Je sais pas, justement. Pourtant, j'y suis allé assez souvent dans ce lieu, et j'ai... Oula, je suis en train de me faire défoncer. Ouais. Bah, je pense qu'on va aller voir dans la grotte, alors. Mais pourquoi j'étais électrifié? Je sais pas, je crois que c'est le cactus qui... Attends. Kirb, je vais le soigner, comme ça. Punaise, mais... Ah. J'en étais sûr que j'allais faire ça, bon, c'est pas grave. J'ai dit en plus à tout à l'heure à Camille qu'elle allait être obligatoirement. Voilà. Merci, c'est quand même bien pratique. Hein. Comment ça, ça fait rien? Bah si, ça fait des choses. Ah. Ok, ouais, bon, ça va. J'ai 130. Mais normalement, enfin, s'ils ont dit sur l'île, ils auraient précisé c'était dans la grotte. Mais après, ils sont peut-être trompés ou j'en sais rien. Là, ce sont des esprits des ténèbres, j'imagine que vous... Ah bah, on peut pas passer, en fait. Non, y a pas de passage. Mmh, c'est bizarre. C'est une toute petite grotte avec des... Ah oui, ils ont pas mal de... L'inscription très bizarre. Ouais. Bah, à mon avis, on doit pouvoir l'ouvrir, la porte, mais... Ah bah, c'est pas ça qu'on ouvre avec le DLC, d'ailleurs. Ah, c'est possible. Oui, parce que je crois que ça avait un lien avec l'île cactus, le DLC. Je sais pas. Je mets 3 heures à tuer les ennemis que vous tuez en... en 2 secondes. D'ailleurs, vous, les objets qui... les objets qui apparaissent, vous les voyez, vous aussi, ou pas? Alors, apparemment, les objets, ben, en fait, c'est... En fait, c'est indépendant de d'accord. Chacun de nous. D'accord. Donc, en fait, je les laisse pas, quoi. Je les prends tous. Je les vois la personne en faisant ça. D'accord. Ouais. Ok. C'est cool. C'est juste les caisses, en fait, qui sont pas... Ah, oui. Indépendants. Ah, j'ai la belle. Il y en a une, là. Là, le machin rose. Ah oui, d'accord. C'est trop bizarre. Par contre, il n'y en a qu'une seule sur l'île. Voilà. Parfait. Donc, oh, je l'ai rose. Cette quête est faite. Voilà. Ah oui, en plus, ça marque quand vous réussissez des quêtes. Bon, bah alors, vu qu'on a fait. Il n'y a pas beaucoup de quêtes à faire en fait sur cette île parce qu'elle est toute petite, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Mm-hmm. Mais donc, on va passer dans le désert parce que tu devais tuer l'esprit du vent, c'est ça ? Oui, alors, j'ai beaucoup de quêtes à faire dans le désert. Et l'esprit du vent, ça va être un peu chaud pour moi. Mm-hmm. Je crois que je lui fais aucun dégât en plus. On va aller voir, mais. je crois que je vais pas lui faire grand chose comme dégâts. Hein. Enfin, déjà, faut qu'on le trouve. Mais je crois qu'il apparaît souvent quand même au milieu de l'île. Oui. L'esprit du vent, il... Enfin, je pas crois qu'il a... Oui.
Je crois qu'il est à peu près là où est-ce que démon. Ouais. Démon. Ouais, sur l'espèce de truc d'incantation là. Voilà. Ouais, mais je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, c'est un truc qui ressemble. Je l'ai vu lui, il y a pas longtemps et il était là. Il était entouré d'esprit, mais beaucoup plus faible, beaucoup plus. Moins fort, voilà. Ouais. Du coup, je pense qu'on peut les tuer rapidement, mais ça va être le boss qui va être assez loin. Ouais. Comme tu dis. Mais c'est fou parce que t'es niveau combien, toi, Romain? 29, non? 29, oui. 29. Et toi, Camille? Attends deux secondes, je te dis ça. Alors. 48. 48, oui. Bon, toi, t'as beaucoup de level d'avance sur nous, mais. Toi, Romain, t'es au même niveau que moi et pourtant tu fais beaucoup beaucoup plus de dégâts. C'est parce que tu. Peut-être. T'as un meilleur équipement. Ouais. Parce que moi, j'en ai qu'un. Le sceptre bof, aussi, hein. C'est Camille qui me l'a fait. Donc c'est. Oui, elle m'a fait beaucoup de choses. Parce qu'on peut se passer des objets en plus en multi. Oui, avec le coffre. De la guilde des carrières. D'accord. Ah, oui, parce que moi, j'ai quand même des armes qui sont assez bof. Quand même une armure assez bof. Mais. Ça, c'est une armure que tu as avec avec les mots de passe, hein. Oui. Je sais pas si elle a des stats, donc je sais pas si en mettant une autre armure, si tu n'aurais pas plus de... Si, certainement, c'est juste que j'ai pas encore... Enfin, j'ai pas encore augmenté mon métier qui permet de faire des armures, donc... Mais... Ah, c'est dommage, sinon à la limite, j'en aurais fait une. Ah, bah peut-être une prochaine fois. Ah bah là, il a pas l'air d'être là. Comment ça, il est pas là? Peut-être qu'il apparaît que le jour. Ouais, peut-être. C'est possible. De toute façon, s'il est pas là, il suffit de quitter la zone et de revenir. Oui, voilà. Je vais fouiller un peu, voir si je le trouve, mais... Oh, par contre, il y a le gros dragon, là. Le seigneur funèbre. Ah oui, lui, non, il nous attaque direct. Mince. C'est pas comme le Dormagon, il attaque direct. Faites attention, il est là-bas. Et lui, je pense pas qu'on puisse le tuer maintenant. Hein. Ah, arrêtez de faire des dégâts là. Le Dormagon, quand vous l'avez affronté, vous avez mis combien de temps à le battre? Assez longtemps. Assez longtemps, ouais. Ça pour le résultat que Romain a fait. Oui, bah raconte. Les... Donc on a tué le Dormagon donc avec Camille en multi. Et donc en étant mage, on a beaucoup d'attaques qui se chargent pour faire beaucoup de dégâts. Sauf que quand Camille a porté le coup critique. Comme un idiot, j'ai relâché le bouton X donc pour faire cette attaque. Donc j'ai tué la caisse du Dormagon. Donc on a passé bien 15 minutes à tuer un boss qui finalement est mort après. Sa caisse est morte et ouais. 5 secondes après, très rapidement. C'est quand même pas mal. Hein. Oh mon dieu. Mais bon, bon, on va quitter la zone pour voir s'ils réapparaissent. À mon avis, plus rapide, ça doit être par là-bas. Par contre, faut qu'on quitte tous les trois la zone pour qu'elle se recharge. Oh. Ouais. Ouais. Ah, oh, c'est quoi cette statue? Elle ressemble aux statues de la magie. Bon. Oh Camille! Camille! Il nous suit! Bon, je quitte la zone au plus vite. Oh. Tu devais pas tuer un ectoplasme? Non, c'était un esprit que tu devais tuer, c'était pas un ectoplasme. Et puis, il a déjà fait la quête de cet ectoplasme. Mmh. Je vais avec lui. Les attaques. On met arrête de m'attaquer, tout ça sert à rien. Aïe. Ah oui, bah là ça tombe pas bien parce qu'il y a le tir aride. Oh putain. Ah oui, c'est bien ce que je me disais, il y a un boss par ici. Oui, enfin il apparaît pas tout le temps, mais là je crois qu'on a pas de chance. Sinon, à Mitch, il faudrait foncer en fait. Bah faudrait que. Là il manque Romain, faudrait que tu viennes vite, Romain. Ça arrive, pour qu'on puisse requitter la zone. Allez. C'est bon. Ouf. Aïe. Ouais, allez, on quitte la zone, vite. Il fait bobo. Oui. C'est fou, hein, parce que les boss, d'un coup, ils font beaucoup, beaucoup plus de dégâts que les autres trucs. Hein. Mm-hmm. Ah, mais l'ectoplasme est toujours là, je sais pas si ça va bien recharger les ennemis. Parce qu'il faut le tuer, parce qu'il va nous suivre longtemps. Oh. Bah, non. Si vous voulez. Enfin, moi, je lui fais pas grand-chose, mais... Je suis trop bas level, en fait, j'aurais dû... Enfin, bref, une autre fois, j'essaierai d'avoir un peu plus de niveau, parce que... En fait, je sais un peu à rien. Encore. Mon Dieu, ne me dis pas que j'ai tué encore. C'est pas grave, ça. T'en avais besoin? T'en avais besoin? Non, mais... Mais faut changer de carrière. J'en ai marre de ça. Encore une fois, évidemment. J'en étais sûr que ça allait arriver en pleine vidéo, en plus. Maintenant, il y a le foudroiseau. Bon, lui, il nous attaque pas, ça va. Lui, il fait... Il est... Il faut pas l'attaquer, lui, parce qu'il est très fort. Il fait aussi très mal. Il fait de rire.
Oh, ils sont en train de casser la caisse. Bon, c'est pas grave. Et mais non, mais ils sont toujours pas là. Et vu qu'on est toujours pas le jour, peut-être qu'il faudra encore ressortir et rentrer. Ouais, mais enfin, ça me paraît quand même bizarre qu'il apparaisse que le jour, parce que ça. Moi aussi. Mais je sais que quand j'ai vu, c'était le jour. Ouais. Alors je vais voir si j'ai pas d'autres quêtes à faire dans cette zone parce que je sais que j'en ai encore d'autres. D'accord. Donc alors. Regarde. Alors. Mais est-ce oh, que le temps avance en multi? Bon, ouais, je pense. Dans les ruines anciennes. Où est-ce que sont les ruines anciennes? Les ruines anciennes, c'est ce qu'il y a là-haut, je crois. Attends, je regardais sur la map. Lieu. Alors. Il y a des coffres aussi. Mais bien ici. Les ruines anciennes. Ah non, bah c'est le truc où il y a une quête. Ah mince, j'allais partir. Voilà. Alors attends. Ah, tu refais. Je refais une fois. Okay. C'est bien pratique quand même, hein. Ça évite des potions. Donc c'est ce qu'il y a tout là-haut. Bon, on va y aller, comme ça en plus ça va peut-être passer au jour le temps qu'on revienne. Ah oui, mais toi tu peux pas courir en plus, vu que t'es mage. En effet, oui, si on court après pour utiliser les sorts, ça fait de la fumée. C'est ça. Donc la fumée, ça... Salut. Bon. Et t'as qui à tuer dans les ruines anciennes? Alors... Je vais dire ça qu'on va y arriver parce que si je m'arrête en plein milieu, alors je vais regarder. Alors, moi je crois que j'ai quelques trucs. Je crois que j'ai un gel à faire. Un gel à faire. Ah bah encore un truc, encore un gel à machin. Oui. Voilà. Moi j'ai rien à faire là-bas. Enfin, en même temps je suis trop bas. Deux dragonnets. Je pense que la prochaine fois je me mettrai en paladin. D'ailleurs on peut changer de. Ah t'as tout ça à tuer là-bas. Ruines anciennes. Ouais, ah ouais, bah c'est cool alors. Non, mais je pense que pour la prochaine fois, je me passerai en paladin. Comme ça, même s'il y a deux paladins, au moins je pourrais faire évoluer des trucs. Parce qu'en archer en plus, le gros dragon. Il faut tracer. Et il court pour son droit. Oh, c'est qui? Mon dieu. Un mage qui réside dans le désert aride, ok. Alors, ruines anciennes. Là aussi, il y a des ennemis assez balèzes, je crois. Hein. Ah oui, en plus, faut tuer chaque ennemi pour pouvoir aller à la salle d'après. Ouais, il faut tous les tuer. Et pourquoi ils viennent tous vers moi, là? Enfin, il est tout seul, mais il vient vers moi. Je crois qu'à chaque fois, ils attaquent le plus faible. En fait. On va où? À droite, devant? Bon, à droite. C'est un niveau le plus bas. Ah bah, c'est lâche, ça. En effet. Les monstres sont très lâches. Heureusement quand même que pour les quêtes où on doit tuer un ennemi, eh ben il faille pas être la personne qui lui met le coup final. Sinon... Ah bah en plus je viens de réaliser une quête là, suceur de sang. Oula, c'est un boss ça. Des dégâts sur ce truc. Oui, il faut le tuer. Arrête de tourner en rond. Pour faire des dégâts sur ça, à mon avis... Oh mon dieu, faut avoir j'en ai fait, il a l'air plutôt très fort. Bon. Un niveau beaucoup plus haut. Ici. Waouh, je lui fais trop, enfin, on lui fait trop peu de dégâts. Et par contre, il est violent quand il nous tape. Ah, et voilà. Bon, on s'en fout de ça. Enfin. Moi, je sais pas ce que j'en avais besoin. Bah, si tu veux, prends-le et on la ramène à l'entrée et on le laisse à l'entrée comme ça, on le prendra en partant. Cobra Royal, ouais, apparemment. Je fais aucun dégât sur ça, même en tapant. Bah, apporte-le à l'entrée, on t'attend là, et comme ça tu le déposes à l'entrée, et comme ça en repartant. Ouais. Bah, trace tout droit pour revenir, parce qu'on va dans la salle juste à côté, à gauche. Ouais, d'accord. Momie. Bon, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ça, c'est. Bah, d'ailleurs, oui, enfin, j'ai commencé à tuer les momies, mais je sais même pas si quelqu'un a besoin de tuer des momies. Allez, le coup fatal. Waouh. C'est long à t'en avoir. Fais des dégâts. Parfait. Le cœur ténébreux qu'il y avait là-bas à miner, je lui fais zéro de dégâts alors que je dois être maître ou héros. Dans... Moi, je crois que je dois être héros. À mon avis, il faut avoir vraiment le, enfin, les pioches de Max. Vas-y. Alors, il faut qu'on soit prêt parce que sinon, le sort n'est pas effet. D'ailleurs, il n'y a pas un meilleur soin de sort, enfin un meilleur sort de soin qu'on peut avoir après? Je pense qu'en fait, plus on évolue dans la géo, je ne sais plus comment ça s'appelle. Géomancie.
Voilà. Oui. Et plus les attaques, bon, enfin, si c'est des attaques, soignent plus en fait. Et vu que D'accord. je l'utilise pas Oula. Souvent. Ça, je sais pas si c'était bien aussi de l'attaquer. Oh, bah, ça va. Quelqu'un a besoin de le ramener, lui? Ah, je suis assommé. Je sais pas si mince. Je peux. On peut rien faire. Ah non, t'es juste endormi en fait. Ça va. Il s'endort en pleine vidéo. Ok, panacé. Je sais même pas ce que c'est. Je pense que ça soigne beaucoup. Moi, je pense qu'il faudrait que je tue d'autres chauves-souris là, parce que comme j'ai eu une quête quand j'en ai tué une, à mon avis, si j'en tue 5, je dois gagner un truc. Ah, le papy-flamme aussi, ça m'a fait gagner. Mm-hmm. Ok. Mais il y a un truc tout au fond des ruines anciennes. Je sais pas. Ouais, il y a le dragon doré. Et après, oui. Je crois qu'il y a une salle pleine d'or. Oh. Une fois qu'on a tué le dragon doré. Bon, enfin, ça, mais je suis pas sûr qu'on puisse le tuer. Parce que et dragon voilà. doré, ça rime avec le beau. Parfait, bon. Dès que t'arrives, ça se fait super rapidement. Oh, un ectoplasme géant. Mon dieu. Il est ridicule. Oula, et oh, je lui fais 0 point de dégâts. Ah non, c'est bon, j'en ai fait quelques-uns. Oh, il a disparu. Arrête de bouger. Maintenant, j'ai toujours peur de détruire. Parfait. Oh, en plus, t'as réussi une quête. Si quelqu'un est intéressé par le butin, pareil, vous le ramenez au début. Hein. C'est quoi, Ectol Camille je sais plus combien est-ce qu'il rapporte. Ou au pire, on le laisse ici, de toute façon, il n'y a aucun ennemi qui peut arriver, on va forcément repasser par là. Mm-hmm. Donc on continue. Wow. Oh, c'est quoi ça? Ah, je crois que j'en avais besoin de ces trucs-là. Ah, bah tant mieux. Mais on peut pas valider les quêtes de paladin, par exemple, si on les fait en étant en chasseur? Non, chaque fois, faut que tu repasses ta carrière. Oh. Tu repasses en carrière, tu peux valider. Je ne sais pas ce que c'est, ce truc, encore. Et il faut que tu retombes dans ta partie en même temps, en solo. Ouais, ok. Oula. C'est impossible de le toucher avec mon avec mon arc. C'est vraiment pas pratique, l'arc. Faut se tenir loin, et en plus de ça, dès que les ennemis bougent, on les loupe. Au moins avec l'épée, on les loupe pas. C'est la carrière chasseur? Ouais. Ah, je l'ai jamais, j'ai pas encore fait. Ah, bah en fait tu manques rien, elle est pas super. Il me reste encore mercenaire à faire aussi. Mais ça a l'air d'être aussi assez énervant parce qu'on porte une arme super lourde. Et donc t'es super lent en fait. Ah bah voilà des jolis trucs. Par contre je vais vous soigner. Vas-y. Alors attendez parce que... Les mages, quand il n'y a pas de PE, ça sert à rien. Alors. Ouais. Voilà. J'essayera. Oh, et il y a même un gélie doré ou je sais pas trop quoi. Par contre, il y a un gros golem. Et lui. Pose une bombe. Je vais essayer mes bombes. Éloignez-vous des bombes parce que il me semble qu'elles font quand même des dégâts. Ah, ouais. Elles font quand même des dégâts. Bon, il même. Arrête de se sauver, j'arrive pas à le toucher. Déjà, quand je lui touche, je lui fais 0 points de dégâts. Oh. Incroyable. Bon, voilà. Ah, c'est moi qui l'ai tué? J'ai gagné 320 points d'XP d'un coup. Non, mais lui, moi je peux rien lui faire. Waouh. Dans ma partie, dans ma 3DS japonaise, je l'avais battu lui, mais j'étais allé beaucoup plus loin. J'avais fait héros dans pas mal de quêtes. Mais je me souviens qu'à l'époque, quand je jouais sur ma 3DS japonaise, je comprenais absolument rien au jeu. Mais. Comme dans les quêtes, en fait, solo et tout, il t'indique à chaque fois où aller, bah j'y arrivais, mais sauf que je comprenais rien. Donc je suis arrivé jusqu'à la fin du jeu, mais sans rien comprendre. Oh, si tu comprends pas le japonais, en effet. Oui, c'était un peu difficile. Ah, alors, j'ai augmenté de niveau, cool. Qu'est-ce que j'augmente? Allez, la force, on est bien besoin. Alors, attends, Camille... Ah, bon, c'est bon. Alors, pareil, la caisse, on s'en occupera après, si vous la voulez. Oh, je fais beaucoup plus de dégâts d'un coup. J'ai la désert.
sens que je fais des dégâts sur ça. C'est un vrai labyrinthe, ce truc. Mon dieu, neuf. Ah oui, comme une pyramide. Vaut mieux avoir le sens de l'orientation ici. Oui. Surtout qu'en plus, on peut plus se téléporter. Ah bah si, on peut quand même se téléporter à la guilde. On peut changer de métier en online. Je sais qu'on peut pas non, aller non, voir. Non, non, il me semble que j'avais déjà essayé. Ok. Donc tu peux pas aller valider tes quêtes, mais tu peux pas non plus te changer de métier. C'est débile, ça. Non. Enfin, ils ont limité beaucoup de choses. C'est vrai que quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, c'est un petit peu n'importe quoi quand même. Ça fait qu'on est obligé de retourner si jamais on veut changer. Ouf. Ok, ils sont tous morts. Par contre, ils donnent rien. T'es expérience, je crois, est un peu dehors. Mais... Ouais. Je pense qu'on va finir par y arriver là au dragon. Hein. Mm-hmm. On va voir combien on lui fait de dégâts. Par contre, avant le dragon, je vous demanderai d'attendre que j'ai tous mes PE parce que sinon, ouais. Comme j'ai déjà dit, un match sans PE, ça peut pas faire d'attaque. Ça ne sert à rien, oui. Alors, heureusement que j'ai pris des potions. Voilà. Ah, t'as des potions d'endurance ? Oui, oui, oui. Bon, cool. Malgré que je leur fasse 10 points de dégâts à chaque fois, ça leur retire rien comme vie. Mais il y a des lags aussi en multi, hein, parce que je sais pas si vous le voyez aussi, mais quand je tape des ennemis, et bah des fois ils perdent de la vie, puis ils en regagnent, puis ils en reperdent. Enfin leur barre de vie elle remonte et elle redescend. Oui, c'est normal, ça fait ça chez beaucoup de personnes. En fait. C'est quoi son nom alors ? Gigante. Mon dieu. Oui, il fait. Ok, je lui fais 0. C'est officiel. Mon dieu, non. Non, non. Mon dieu. Oui, une il ancienne chambre je crois que c'est de l'autre côté le dragon doré. Ah, parce qu'il y a un dragon après lui ? Mon dieu. Il y a un dragon doré quelque part et il me semble que c'est ici en effet. Venez, je vais vous soigner parce que je vais au moins essayer de faire ça. Oh mon dieu, par contre, il m'attaque alors. Attendez, non, mais je vais changer d'arme là. Je vais essayer Attends, je vais attendre que Kirba arrive parce que. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts ? Il me semble que le dragon doré c'est ici. Non, non, non. Je sais pas si je vais lui faire le moindre dégât, mais bon. Ah, je lui fais 1. Viens ici, Camille, deux secondes, s'il te plaît, que je te soigne. Attends, j'arrive, moi aussi. Oh punaise. Voilà, ouf. Là. Mon dieu. Oh là là. Waouh, 82. On dirait Bowser. Enfin, en plus moche. Oula, mais je crois qu'on va abandonner lui parce que. Il retire trop de vie. Hein. Je sais pas combien toi tu lui fais de dégâts, Camille, mais. Attends, je vais essayer. Mon dieu. 26. Et ça va mettre plutôt longtemps. Ouais. Bon, bah on va abandonner. Hein. Aïe. Il devra utiliser beaucoup de potions. Ouais. Heureusement, il peut nous suivre jusque-là. Bon, bah on va aller rechercher les caisses. Alors, je vais vous re-soigner. Ok. On va voir s'il est apparu le. Alors, je refais une fois. Le truc ça. De vent là. Voilà. Ok. Merci. Merci. Au plaisir. Bon, moi j'ai abandonné mon arc, hein, j'ai repris mon épée. Même si je suis en quête de chasseur, c'est quand même plus pratique. Je fais plus de dégâts. Ah oui, en effet. Bon, bah là il s'agit maintenant de retrouver la sortie. Alors, par les escaliers. Ouais. Si je me souviens bien. Et après, ah, là, y a une caisse. Les autres escaliers. C'était le golem d'or, quelqu'un le veut ? Je sais plus quoi faire ce qu'il rapporte. Le golem d'or. Bon, je le prends avec moi, on verra dehors si vous voulez. Parce qu'au pire, même s'il n'y a aucune quête qui le demande, ça fera quand même gagner un peu d'argent. Donc, ah oui, voilà. Wow. Donc c'est pas si mal. Les messages prédéfinis. On peut écrire des messages aussi. Ouais. Mais bon, avec le clavier qui est même pas un clavier d'ordinateur. Ouais, c'est ça. Bonne habitude. Donc ça, il y avait quelqu'un qui avait besoin de lecto large, non ? Attends, je crois que c'est moi. Alors, je vais regarder ça dans mes quêtes. Ça m'étonnerait pas vu que t'es magicien, enfin, vu que t'es mage. Au pire, même si t'es pas marqué, prends-le. Comme ça, mais des fois t'as. On est bien dans les ruines anciennes. Ouais. On n'a pas trouvé de gel à fer. Si, mais on en a tué qu'un seul. Le petit truc noir là qui se sauvait, c'était pas un gel à fer ? Si. Y avait pas de. De caisse avec lui ? Non, je crois pas. C'est bizarre pourtant, ça ne me dit pas qu'on l'a. Bah alors c'était pas un gel à faire, alors je dois confondre.
Alors, deux secondes. Mon copain me semble avoir vu le faire. Ouais, je sais pas. Continue à faire les quêtes. Désolé, je reviens dans deux secondes. Ok, pas de soucis. Tiens, Camille, là, il y a le Cobra Royal. Ouais. Dont t'as besoin. Par contre, c'est où le truc de guild? Alors, le truc de guild... Le plus proche. Le plus proche d'ici, c'est peut-être Calmagic, je sais plus. Ce serait con que ce soit si loin, mais c'est possible. Ouf. Vaut mieux pas qu'il tape les caisses. Erreur. Comment ça, erreur de communication? Ah, tu as été déconnecté? Parce qu'on a vu que t'avais quitté le monde. Mon Dieu, chaque fois que je vois ça, je pense à Resident Evil Animal Crossing. Ah oui, que de mauvais souvenirs. Bon. Je vais revenir. Attends, je vais voir par là-bas parce que... Ou alors à l'Oasis. Non, ah là, il y a un truc. Camille, il y a un truc juste là. Par contre, je sais pas comment on le rejoint. Mais il y a un truc ici. Attends. Je sais pas. Je crois savoir. Ah, si, c'est bon. Oui, c'est là, c'est bon. Bon, moi, je vais mettre le... Le golem d'or. Vu que je sais pas si j'en ai besoin, mais... Ça fait gagner quelques pièces. Enfin, quelques rêvas. Sac d'or x2, cool. 1800. Et voilà, t'as ton défi. Merci. Romain ? J'arrive. Ouais, mais je pense que on va en rester là juste pour cet épisode. Si vous avez le temps, on en tourne un deuxième, mais en tout cas pour cet épisode, on va en rester là. La prochaine fois, j'irai changer de quête, enfin de carrière, comme ça, j'aurai peut-être d'autres trucs à faire, peut-être même un boss. Enfin, on verra. Donc, en tout cas, merci à vous deux. Merci pour cet épisode. Merci à toi. J'espère que ça vous aura fait bien découvrir à ceux qui nous regardent le mode multi. J'en referai un sur ma chaîne. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et donc, on se retrouve normalement jeudi pour la suite. Bye. Au revoir.